окупанти збирають ще. Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Europe 1, 6h52. L'heure de retrouver la revue de presse internationale, l'actualité dans les journaux étrangers avec nos correspondants. On part d'abord au Brésil, retrouver Jean-Claude Jerez. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. De quoi parlent les journaux chez vous Jean-Claude ? De la dépression nerveuse, véritable fléau dans le pays. La population brésilienne est en effet la plus déprimée d'Amérique latine, explique le site G1, qui cite une étude de l'Organisation mondiale de la santé. 17% des Brésiliens souffrent en effet de cette maladie, contre 12% en moyenne sur le reste du continent. Si la dépression touche des personnes de tous âges et de tous niveaux de revenus, souligne Poder 360, le risque augmente avec la pauvreté, le chômage, le deuil d'une personne proche ou la fin d'une relation. L'Estado de Minas insiste pour sa part sur la responsabilité de la consommation d'alcool ou de drogue. Le quotidien O Globo met l'accent quant à lui sur l'absence de professionnels dans les services publics de santé, favorisant ainsi un manque de prévention et de traitement approprié des troubles et des maladies mentales. Nous sommes maintenant en Irlande, l'Irlande où l'on prévoit des coupes sombres dans les effectifs de l'audiovisuel public, Clémence Ménard. Eh bien, la RT, le média de service public irlandais, prévoit en effet de licencier 400 salariés. Une réduction de ses effectifs de 20%, explique The Irish Times. L'objectif, surmonter la crise financière qui l'engloutit depuis le scandale de cet été au sujet de paiements secrets versés à l'ancien présentateur vedette de la chaîne, Ryan Tubidy. The Independent cite ainsi le syndicat du personnel. Nous payons la note pour ceux qui se sont enfuis avec l'argent. Le plan détaillé par la RTE s'engage à déplacer une partie de la production de Dublin à Cork et promet aussi de réduire considérablement le nombre de salariés rémunérés plus de 100 000 euros par an. Merci Clémence Pénard, merci à nos correspondants. C'était la revue de presse internationale.